Salut à tous! On se retrouve pour parler vite fait de nouvelles ROM, enfin patch, pour mettre votre Doom en version MSU, donc c'est-à-dire une version Super Nintendo améliorée, avec un son CD, puis aussi on peut choisir le round. Voilà! Donc je vous mettrai le lien où il faut télécharger le patch, il faudra aussi lire le fichier README pour télécharger les musiques en FLAC et les convertir au bon format, vous verrez, c'est tout marqué dans le fichier texte. Hein. Et il faudra nommer la ROM en .sfc, pas en .smc. Et vous allez pouvoir jouer à ce jeu que moi j'aime bien mais que j'ai connu sur PC. Sur votre Super Nintendo avec un Everdrive ou en émulation. Avec des musiques qualité CD. Voilà, alors bon, par contre la maniabilité c'est pas évident. C'était l'époque. Oh, avec quelqu'un qui est mort ici. Allez, on va récupérer ça, un peu de vie. On va aller shooter du monstre. Hop là, récupérer l'armure ici. Voilà, on strafe un petit peu, ça c'était le bon côté des touches LR. C'est qu'on pouvait glisser sur le côté. Et chaque niveau aura sa musique, alors là par contre c'est pas évident. Voilà, hop, allez, remonte sur l'escalier. Je reviens droit, en fait c'est le stick de la Xbox qui souvent part de mauvais côté, voilà, je récupère l'armure. Voilà, de côté. C'est par ici normalement, la porte. Ça, je crois que c'est la porte de départ, non? Ouais, c'est la porte de départ. Je me suis trompé de côté. Là, c'est par là. Voilà, moi j'ai plus été Duke Nukem, honnêtement. Ça a toujours été mon jeu de prédilection, c'était Duke Nukem. Voilà, Duke Nukem, et puis à l'époque, bah, j'ai connu Duke Nukem Playboy, donc c'était encore plus sympa. Donc là, j'ai récupéré l'armure, vous avez la musique, puis je vous dis, on peut changer de niveau, regardez. Alors, on va aller shooter celui-là. Voilà. Hop là. Après, récemment, j'avais fait un excellent, c'était quoi? Un Warhammer dans ce style-là sur Xbox. C'était tout long. Oh, non, la munition était longue à tuer. Voilà, sortie ici. Donc, on peut appuyer ici, regardez, on fait New Game. Ah oui, Art Me Plenty, fais-moi mal. Et on peut choisir par exemple Inferno. Voilà, et là, c'est l'enfer. Écoutez-moi cette musique. Dans tous les sens. Après, la version d'origine, il y a quand même des bonnes musiques, je trouve. Mais là, voilà, si vous avez un Everdrive qui émule la MSU1 ou de l'émulation, là on est sur Battle Sera. On peut voir ces musiques qualité CD. Je vais vous montrer la version d'époque, version Super Nintendo. Voilà. La musique est quand même pas mal, je trouve. Hein. Un peu plus étouffé le sang, vous me direz. On va prendre l'armure. Et on vérifiera si on peut changer de niveau, mais il me semble pas cette version. Voilà, mais bon, la musique, on reconnaît la sonorité du jeu, quoi. C'est. Donc, du coup, je vous rappelle que c'est par là. C'était quand même bien. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait un petit peu oublier de pixels quand même. Attendez, là il y a une armure je crois. Ouais. Pika par mort. C'est que d'un côté mes yeux ont vieilli, de l'autre côté on s'est habitué à des définitions bah voilà, plus hautes. Voilà. Ouais, vous voyez, le son est plus étouffé sur la version d'origine. Là la musique est aussi plus basse. Voilà, et alors du coup si on fait New Game. Ah, c'est le bouton. Hurt Me Plenty. Vous voyez, on n'a pas accès au troisième niveau Inferno. J'ai accès qu'à deux niveaux. Donc c'est pour ça qu'en patchant le ROM, vous aurez accès au troisième niveau. Et vous aurez surtout les musiques. Je vous rappelle qu'il faut télécharger les musiques.
Voilà, là vous avez le fichier texte, vous avez un lien où il faut télécharger les musiques ici. Vous les mettez dans le répertoire où il y a le patch. Vous cliquez sur un programme MSUPCMXE qui va les convertir. Vous effacez après tout ce qui est en point FLAC et vous laissez uniquement les musiques qui finissent par Doom MSU1. Voilà, et vous mettez tout ça dans votre répertoire. Hein. MSU1, maintenant vous connaissez, je pense. Et là, on a les musiques. Épisode 1, épisode 2, épisode 3 Inferno, auquel on a accès directement. Voilà. Tous les épisodes peuvent commencer dans n'importe quelle difficulté. Comme dans la version japonaise. Je sais pas quelle version japonaise est différente. Et surtout, pensez à renommer, parce que moi, ça me nommait en SMC, c'est du SFC. Hein. Voilà, il faut que la ROM soit en point SFC. Qu'est-ce qu'ils veulent là ? Là, c'est le niveau 2. Allez, assieds-toi. Il est dans le stick, je trouve. Parce que je jouais avec la manette avec Bido. Donc, allez écouter, mais dites-moi ce que vous pensez de cette version pour les fans. Ah, oh, attendez, je vais récupérer l'arme qui est ici, moi. Voilà, donne-moi ça, toi. J'ai pas pris l'arme. Ah non, je suis mort. Sans déconner, je suis mort. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette version. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!